on a eu des images de la nouvelle Macattack en collab avec Social Statue. Ça fait plusieurs années que la paire est teasée. On l'avait vu au pied de LeBron, on l'avait vu au pied de Travis. Et on en a parlé il y a pas très longtemps dans un LSDLB avec Cyril qui disait que... Bah, il était content que la paire revienne parce que, en vrai, il n'y a jamais eu de réédition. C'est une des premières signatures shoes de tennis. Si je dois la comparer à une paire qui arrête pas de ressortir, c'est la Jordan, tu vois. Et je me dis, celle-ci, elle a un meilleur potentiel parce qu'elle est plus ronde, plus légère, elle a l'air plus confortable. Là où la Jordan 1, elle est très droite, très, très stricte, même si c'est la paire de Michael Jordan. Mais franchement, je pense que celle-ci, elle a un gros potentiel casual. Je la mettrai pas pour jouer au tennis, par contre. Le problème, c'est que comme la BW, quand elle est revenue, ça risque du coup de sortir en raffle. Après, en général, quand ça revient en collab, le step d'après, c'est quand même qu'il y ait des general release. J'espère qu'il y aura au moins le coloris original, tu vois, et peut-être d'autres coloris, au moins un petit truc sympa pour porter tous les jours.